Reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 11 mai 2020, après une longue pause liée à la crise sanitaire causée par le coronavirus. Ici, au complexe scolaire Saint-Mathieu, situé à Tonkpè, dans la commune d'Abomey-Calavi, enseignants et élèves sont tenus de se conformer à la règle. À Saint-Mathieu 1, les enfants sont venus massivement. Nous n'avons pas eu de cas d'absence et tous les enfants sont venus et ils ont repris normalement les cours. Les enseignants également sont tous présents et les activités se sont déroulées comme cela se doit. Les élèves de Saint-Mathieu sont arrivés en masse et bon, il y a quelques-uns qui sont encore à la maison. Mais nous souhaitons que d'ici peu, ils seront là. Quand le gouvernement l'a exigé, les cours effectivement repris. Et nos élèves sont tous présents et tout se déroule normalement. Et cela ne peut pas être autrement parce que l'avenir des enfants en dépend. Et le gouvernement a dit que nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera définitivement bouté dehors. Donc nous avons écouté les autorités et on a repris comme cela était prévu. Port de masque obligatoire, distance d'un mètre respectée, dispositif de lavage des mains installé, tels sont les constats faits sur le terrain par notre équipe de reportage. Le dispositif de lavage des mains, c'est nous avons installé au portage. Avant qu'un usager de l'établissement, avant que les apprenants, les enseignants n'entrent dans l'établissement, ils doivent se laver les mains à l'eau et au savon. Voilà, c'est rigoureux. Outre le dispositif de lavage des mains, nous avons également un thermomètre. Et nous essayons de vérifier ou de contrôler si, entre-temps, il n'y a pas des individus, des personnes malades et qui se trouvent parmi les usagers, parmi le personnel enseignant ou les élèves. Malgré l'exclusion des établissements privés du don de masques aux élèves par le gouvernement, les parents et enseignants ont pris leurs responsabilités. Dans ce complexe scolaire, les élèves sont bien conscients que l'enjeu est de taille et qu'il urge à respecter les mesures préventives. En ce qui nous concerne dans notre école, on se lave les mains avant de rentrer. On contrôle notre température chaque matin et on respecte la distanciation entre les élèves. Pendant la récréation, il y a d'abord une récréation pour le premier cycle. Après 15 minutes pour le second cycle, tout en respectant la distanciation entre les élèves. Pendant la récréation, il y a l'administration qui nous aide à garder les distances. Les vendeurs aussi nous demandent de s'éloigner un peu de leur étalage. En classe, il n'y a pas d'élèves au tableau. Le professeur va au tableau, chaque élève est à sa place. À l'endroit du gouvernement, M. Fondi Claude César, directeur du complexe scolaire Saint-Mathieu de Tonkpè, lance un vibrant appel. Du gouvernement, moi j'aurais voulu que nos gouvernants pensent aux établissements privés dans leur disposition. Si je donne un exemple, la distribution des masques, nous constatons que jusque-là, les établissements privés ne sont pas pris en compte. Si déjà, dans les jours à venir, ils peuvent penser aux établissements privés, ce serait aussi une bonne chose. Puisqu'il n'y a pas de différence entre les apprenants des établissements privés et ceux des établissements publics.